nous voilà revenus avec mon plateau. Alors, je l'ai peint en blanc, comme je vous avais dit, je voulais le peindre en blanc. Et là, la question que je me pose, c'est est-ce que je mets de la dentelle blanche ou de la dentelle rose? Mais de la blanche, on ne voit pas. Attendez, je vais, comme d'habitude, je vous bascule. Voilà. Si je mets de la blanche, on va pas la voir, ou très peu. Alors, je me suis dit, ben, je vais mettre de la dentelle blanche en plastique. Parce que, après, voilà, ouais. Mon souci, c'est que si je tâche ben, la dentelle, après, je ne pourrais pas la ravoir. Par contre, j'ai de la dentelle en plastique. Vous savez qu'on a acheté toutes chez Action. Et je me suis dit, pourquoi pas mettre de la dentelle en plastique? Donc, j'en ai de la blanche, j'en ai de la rose. Et je pense que je vais pencher pour la rose. Je pense. Je vais plier toutes mes dentelles là que je me suis mis. Parce que j'ai regardé, j'ai dit, allez, hop. Mais non, je ne vais pas mettre du blanc. Parce que ça tranche pas assez. Ça ne me plaît pas plus que ça. Donc, j'avais sorti même de la belle petite dentelle comme ça. Hein, mais non, je vais mettre en plastique. Ouais, c'est du plastique. Hein, on en a tout acheté de ça chez Action. Et je pense que ça, c'est mieux pour nettoyer. Je pense. Donc, je vous fais mon petit blabla avant de commencer parce que mon pistolet à colle chaude il est en train de chauffer. Alors pour ça il faut que je meuble, faut que je voilà, hein, faut que je meuble un petit peu. Voilà, je vais plier ça. Celle-là, elle est à moitié pliée. Alors j'ai la blanche, mais la blanche c'est pareil, on la verra pas. Je vais regarder, mais dans mon idée c'était de mettre de la blanche. Non, on voit rien. Je vais vous montrer, mais on voit pas grand chose. Donc, eh ben, on va mettre de la rose. En plus, elle est mignonne, hein, comme dentelle. Bon, c'est pas non plus la dentelle foufou, mais pour faire ce que je veux en faire, il faut mieux. Alors, on va défaire ça. Je n'ai pas coupé où il faut. J'étais obligée de passer, je sais pas, 4 couches de peinture blanche avant de recouvrir le noir. Donc, ça a pris du temps pour sécher. Voilà. Donc, en rose. Bah oui, c'est léger, mais c'est quand même mieux. Donc, je vous montre et puis on va coller ça ensemble. Et puis on va discuter pendant ce temps-là. Voilà. Ouais, je préfère. Donc, je vais démarrer. Je vais démarrer sur le côté. Alors, je vous ai montré comment ça donnait en fait. Bon, il manque un tout petit bout là, mais bon, tant pis. Hein. Vous voyez? Voilà. Si vous voyez bien de loin, voilà. Alors, je ne l'ai pas collé parce que comme ça, je peux. Enfin, je peux. Oui, en principe, je dois pouvoir le retirer. Oui, en soulevant comme ça. Voilà, c'est juste ce que j'ai fait l'autre jour avec vous. Voilà, j'ai collé ma dentelle sur les côtés. Et comme ça, si ça s'abîme, et ben, j'en refais un autre et j'en remets dedans. Donc, on force un petit peu. Hop. On pousse un peu pour qu'il soit... Bon, ça va aller quand même. Je sais pas si je vais pas mettre quand même du double face en dessous. Non. Une fois qu'il y aura des choses dedans, ça ira. Bon, ne vous inquiétez pas. Comme d'habitude, je parle toute seule. Hein. Vous devez commencer à avoir l'habitude avec moi. Donc, eh ben, je vais mettre la dentelle avec vous. C'est juste pour faire une petite vidéo... pour pas le faire toute seule
Et puis comme ça, je vous montre après ce que ça donne. Alors, je vais faire avec de la colle chaude. Est-ce que j'ai un bâton de colle chaude d'avance? Oui. Je vais le mettre à l'intérieur. Voilà. Et on va y aller. Hop. Et je pense... Eh oui, je suis pas partie du bon côté, forcément. Bon, ben, on va démarrer de là, tant pis. Est-ce que ça va coller là-dessus? Oui. Pas de raison. Hein. Donc, on va en mettre tout le tour. Et mon petit plateau sera terminé pour cet été. Ou même pour à la fin du mois. On ira prendre le café dehors avec. Voilà. Je vais vous bassiner jusqu'à la fin du mois, jusqu'à temps que Coco arrive. Hein. Ça, c'est sûr. C'est sûr et certain. Mais on est contentes toutes les deux de se retrouver. S'il ne nous arrive pas un truc sur la tronche avant, qui ne reconfine pas. Enfin, je pense pas quand même. Là, à la fin du mois, on devrait être tranquille. Donc voilà, je vais mettre ma petite colle tout le long pour que ça tienne. Vous allez me dire pourquoi tu ne mets pas ton pistolet à droite. C'est parce que j'ai pas assez de rallonge. Hein. Donc, je le mets comme ça, mais ça va, ça ne me dérange pas trop. Il faut que je remette le bâton de colle, c'est qu'il est. Elle est là. Hop. On va. Ça, la colle chaude, c'est super. Pour faire des grandes longueurs comme ça, c'est... Voilà. Je vais le tourner. On dirait que ça se réchauffe un peu dehors. Là, j'ai fait du feu, mais j'ai presque... J'avais froid ce matin, mais là, j'ai chaud. On est toujours jeudi. Hein. Je vous fais cette vidéo-là jeudi. Jeudi, je ne sais plus combien, 6. Jeudi 6. Jeudi 6 mai. Et j'ai fait du feu parce que j'avais froid. Mais là, je pense pas que je vais remettre du bois parce que je commence à avoir vraiment... J'ai chaud. Eh oui. Bon, Coco va mieux. Je sais pas si vous avez vu. Elle va un peu mieux, mais elle a quand même dit, il faut pas que je tourne la tête trop vite. Hein. Parce que ça tourne encore un peu. Mais enfin bon... Ça lui permet un peu aller au travail, c'est que ça va. Voilà. J'arrive à la fin. Et après, on va voir ce que ça donne. De toute façon, maintenant que c'est collé, je ne peux plus faire grand-chose. Mais bon, blanc, rose et l'intérieur un peu bleuté. Ça le fait. Hein. Voilà. Voilà. Alors là, pour le coin, je vais tourner et je vais faire mon raccord là. Ouais. Et je vous montre tout de suite ce que ça donne.
artichaut. Ça, je vais le coller un petit peu le long là. Hop. Et voilà, mon plateau est terminé. Donc voilà ce que ça donne en rose. Vous voyez, ça, on voit mieux quand même qu'avec le blanc. Vous voyez, hop, l'intérieur. Et comme ça, si on fait tomber des gouttes de café, de thé, ça sera on pourra nettoyer avec le plastique. Voilà. Donc voilà mon petit plateau. J'espère que... Bon, oui, je vois que là, l'intérieur, là, j'aurais pu le peindre. Mais bon, ça va, hein, on va dire que ça va. Hein. Pas non plus... je reçois pas le président de la République. Hein. Donc, voilà. Bah écoutez, encore, j'espère que ça vous plaît, ce que je fais. Et puis, là, je vais continuer à vous trouver des petits trucs à faire. Là, je vous ai publié ma petite boîte cœur. Je vais vous publier, sûrement avant cette vidéo-là. Celle-là, ça va être pour... on est le 7... Non, on est le 6 aujourd'hui. Demain, c'est la boîte cœur. Le nœud en bolduc, c'est pour le 8. Donc, cette vidéo-là, vous l'aurez le 9. Voilà, 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 voilà. Donc, puis après, je vous cherche des petites vidéos. Pareil, ça va bien venir en 2-3 jours. Là, je viens vous trouver quelque chose à faire. J'essaye de m'avancer un peu dans les vidéos parce que les faire au jour le jour, c'est un peu galère. Hein. Le matin, des fois, je me dis, bon, je vais faire une vidéo, mais qu'est-ce que je vais faire? Donc... si c'est faire pour faire, ça va pas. Il faut que... Voilà. Donc, je vais vous faire un gros bisou. C'était juste pour vous montrer la fin de mon plateau, comme je vous avais promis. Et je vous fais un gros bisou. Et puis, à la prochaine vidéo. Voilà. Allez. Je suis toujours coupée en deux, moi. Allez, je vous fais un gros bisou. Et à la prochaine. Bisous.